On pouvait pas m'entendre depuis tout à l'heure. Ah. Du coup, je reviens 2 petites secondes. Du coup, bienvenue à tous. J'espère que ça vous plaira. Je vais juste couper mon micro 2 petites secondes parce que je dois appeler quelqu'un. Je reviens. Oui, bon, ça va, ça arrive à tout le monde. Revalu, bon, et arrêtez de vous foutre de moi, hein. Ça arrive à tout le monde. Du coup, la personne que j'essaie d'appeler rappellera bientôt. Donc, s'il y a encore une pause et un arrêt, si normal. Des lance-toiles, la méca. J'espère que vous serez nombreux à me suivre pour cette aventure. Même si je vois qu'il y en a déjà qui sont partis. Ah, attendez 2 secondes. Rebonsoir. Du coup, oui, j'ai une copie pourrie, je suis au courant, j'habite en Bretagne. À toutes les
unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? Ah, par contre, la tronche de l'acteur, ça fait mal. Hein. Et ouais, faut laver ton costume de temps en temps, cousin. Donc ça, c'est le costume de début. D'accord. Soit en 1084 à la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Du coup, je pense qu'on est lancé direct. Avec cette cinématique. Ok. Oula. Capitaine Watanabe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk. Mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Oula. Oui, bah, hey, écoute, le jeu, je l'ai que depuis une semaine. J'y ai pas touché parce que je voulais pas me faire spoil. Enfin, je voulais pas me spoil et me faire spoil. Allô? Peter? Où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon. C'est vrai qu'un... un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. Pourquoi je sens que la personne qui vient d'appeler, c'est Kirk Connors? Je vais à l'heure à mon vrai job. Il est pas très rapide. Il a appelé la cavalerie. Je le trouve vachement lent quand même comme Spider-Man. Le 3, c'est le seul, il est un peu plus rapide hein, comme personnage. Ah, nickel. Comment dire, on va commencer à discuter. Le live durera pas trop longtemps, hein, jusqu'à 18h après. Et demain matin, je commence plus tôt. Sortez le poids lourd. Le Rhino, je suppose. Ils disent le poids lourd, je suppose que c'est le Rhino. Attention, ah non, pas du tout. C'est un vrai poids lourd. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, un peu déçu. En même temps, ça paraissait un peu simple. Ça pique, hein. Sauf quand tu utilises ton poids lourd. Bah, j'ai appuyé sur quoi depuis tout à l'heure. Salut les gars! Qui veut une tasse de café bien frappée? Votre sens d'araignée vous s'affichera autour de votre tête pour vous prévenir des attaques hypoquées. Alors je vous préviens, j'ai la pêche au bout. Ça, je suppose que. Ça se présente mal. Olé. Cette VF. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas la VF? Je vais pas commencer hein. Oh, ils vont en sortir des fiches de paye. Spider-Man, où en êtes-vous? C'est presque fini. Et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche. J'ai hâte de voir la tête de Woody quand vous lui passerez les mains. Il est un peu barbare le Spider-Man, non? Je trouve un tantinet barbare quand même. Ok Yuri, c'est bon. Ah ok. Qu'est-ce qu'il se passe? Yuri, Yuri. Ah ok, bon. Je savais que Fisk se laissera pas faire. Ah ok. C'est ok, je comprenais pas. D'accord. Parce qu'en fait je restais pas appuyé sur R2 en même temps que c'était. C'est pour ça. C'est ma faute. Merci Hiro. La tour Fisk.
toujours le caïd dans le problème. C'est chaud. Demandez des renforts. C'est fou ça quand même. Et verrouillez l'espace aérien. Yori, c'est qui ça? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Allez, allez! Tournez! Faites gaffe! Hé, hey, où tu vas comme ça? Cadeau! Toujours pour la voix! Il est violent, c'est chaud! Allez, contrôle! On peut pas courir? Sinon. C'est ta preuve de respect! Augmentez votre compteur de courant. Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Oh, merci pour le soutien. Ça me touche. Ok, ça va. C'est pas trop... Les conditions de travail se dégradent à vue d'œil. Je me suis fait un peu dézinguer, mais... ça va. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris pire que ce que je veux. Alors attends, je termine juste ça là. Parce que j'ai pas envie de me foirer au dernier moment en fait. Tu verras, le gameplay est cool. Bah, si je l'ai pris, c'est justement parce que j'ai vu vraiment. Enfin, très peu, mais c'était pas. Je pense que c'était pas l'histoire principale. J'ai fait en sorte de tomber que sur des trucs. Spider-Man fait des vannes, mais c'est pas un enfant de cœur, MDR. Ah oui, non mais tu sais, Hiro. Spider-Man, c'est un des premiers héros que j'ai surkiffé dès le début. Oui, j'ai pas lu les comics. C'est le seul problème. Mais le gameplay, ouais, je sais qu'il est pas mal. J'ai vu 2-3 images. J'avais vu quelques bugs aussi. Je pense que ça a dû être réglé entre temps. Mais le jeu, si je l'ai pris, c'est bien pour la raison du gameplay. Et vu que j'adore Spider-Man. J'avais envie de le faire. Alors, utilise la concentration pour vous soigner. C'est pété ? Il faut que je m'occupe des tireurs. Par contre, ça me dit ouais, viser comme ça et tout, mais. C'est fini pour toi. J'avais pas vu que c'était. Il y avait une limite. Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Et puis moi je suis un thug, du coup je monte par l'ascenseur. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter. Oh. Priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient les tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Y a pas moyen d'aller plus vite, genre? Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je vais trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. J'ai rien demandé. Ils sont en train de vider leur serveur. Ah. Il nous faut ces preuves si on veut faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Salut Tante May. Ce bruit. Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je peux te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. Hostile à l'étage supérieur. À moi de jouer. Spider-Man. Ah bon? Je croyais que c'était Batman. Par contre, j'ai tapé le... J'ai appuyé sur la touche, j'envoie esquiver, mais non, c'est pas grave. On en voit pas au jeu. Oh, la mandale qu'il a mangé, lui! Je reste attaché, garçon. Oula! Une barre concentration pleine vous permettra de réaliser un coup de grâce. Tenez-le! Il arrête de... J'ai un doute! Vous savez que ça va mal finir pour... Oh! Oh la vache! On t'aura mort, type! Je préfère me soigner pour un temps.
On peut encore la voir. Vous devrez t'inquiète. Oh, les patates qui m'armaient, j'aimerais pas les bouffer. Allez, au suivant. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal pour les mecs. Avant que l'épreuve ait disparu. J'ai tapé ma meilleure en soi. Ah bah bravo. Faut que j'aille où maintenant? Oh, attends. J'ai fait quoi là? On peut planter ça. Pas où ils auraient mis des serveurs à cet étage. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Il vaut mieux de chercher un accès discret. C'est-à-dire... Voilà. Je dois aller où? Il y a une bouche dans... Ah ouais. Ok, my bad. J'ai trouvé. Tu rentres pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Ah bon? Faut que tout disparaisse. Pas aller plus vite que la machine. Ils sont trop mignons quand ils se doutent de rien. Comment ça se passe? On est à la moitié. Encore une minute ou deux. Quand les flics tabournaient, t'occupes pas de tout. T'as mieux à faire. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. C'est normal. Par contre, j'ai l'air parce que son équipier vient de littéralement de lui tirer dessus, mais il est pas mort, genre. Suppression totale imminente. Occupe-le! L'opération est pas. Moi qui pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls. Ouvre-moi ce quota! C'est bon, c'est réglé. Merci. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche. Même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Ouais ? Mais c'est ce qui fait mon charme, non ? Ah, oh, tiens. Enfoncez-moi cette porte, aidez ! Éliminez-le ! Détruisez tout ! Regarde autour de toi. C'est mon œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. C'est vraiment pas ton jeu. Sans moi, la vermine de Charles va se répandre. Mais ce sera ta faute. On en a vécu des choses, Fisk. Parce que question Hero, si t'es encore là. Y'a tous les persos en raccord avec Spider-Man ou pas? Ah. Comment s'est passée votre journée sinon? Prépare-toi bien pour la suite. À part ça. Ah ouais. Tant que faire. Yuri, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Y'a tous les persos? Vraiment tous? Mettez-le au tapis! Pas tous, mais une grande partie. Ouais, ok. Bah, je sais qu'ils ont rajouté certains persos seulement avec les DLC. Je crois que c'était le dernier. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit que en DLC. C'est bon, on y va! Salut les gars! Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir! Ils doivent être coincés! Occupez-vous d'eux, nous on se charge des bombes! Bah j'espère qu'il y a au moins les plus importants quoi! Tout le monde dehors! Évacuez! Genre ceux qu'on a vus dans tous les films! Je sais pas te spoil, mais il y a certains persos que je pensais pas voir dedans. Bah y'a des persos, je crois que je suis tombé sur eux, je me suis dit ouais. Je me suis dit un peu la même chose. Ah putain, ça arrive. J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. Là-dedans là? Hop, bon allez.
Par contre, c'est normal qu'il se tienne comme ça là, parce qu'il me fait mal au dos comme ça, genre. J'ai mal au dos pour lui, hein. Franchement. Le pro de sport a dit soit on dort, soit on regarde les documentaires. Ah mais c'est quoi tes cours de sport toi, putain, on m'aurait sorti des cours de sport comme ça mais... Putain, je me serais tapé ma meilleure vie. Hein. Ah attends, pourquoi ça brille là? Ah hein, oh. Oh. Une ventilation. En train de brûler. Pardon. Ah mais je suis perdu. Spider-Man. Ah ok, d'accord. On peut pas bouger. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous le pouvez, aidez les blessés. Compris? Oh, un petit QTE. Ok, c'est, ouais, c'est vraiment les trucs de base, quoi, ça. Hop. Je veux bien qu'il ait une force surhumaine, mais là, c'est... Allez. On n'a pas demandé la chose ou Hulk. Je pars, Willy. J'arrive. Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert, on a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Non! Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. Bah c'est le nouveau truc du rectorat, on peut plus faire sport en intérieur. Non mais là, pff, oh les flemmards sérieux. Putain. Il y aura encore eu le confinement. Attention. D'accord, ok. Il y aurait eu un truc comme ça, quand moi j'étais encore étudiant, on aurait quand même fait sport. Comme ça. Il se serait pas fait chier, je te le dis moi. On pleure des roquettes. Ça fait pas un peu beaucoup. J'ai mal. Fais mal! C'est la journée mondiale de la roquette ou quoi? C'est foutu! C'est quoi ça merde? Ça s'appelle une pâte araignée, mon pote. Mais alors, il y aurait eu le Covid quand moi j'étais encore étudiant, on aurait continué le sport, hein. Faut pas rêver. J'ai mangé tarif là au niveau des PV. Hein. Évidemment, il s'est taillé. Hein, mon petit cochon? Yo. Comment l'équipe de déminage a réussi à passer ça? Patience! Il y en aura pour tout le monde! Elle est sûre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Pourquoi je trouve que ça pue les coups de démineurs? Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben celui-là? Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Pourquoi je le sentais venir? Pourquoi je le savais? Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant! Abattez-le! Votre plan n'a pas marché! Place au plan B! Vous prenez une dérouillée! Pas qu'il en est zéro! Vous attendez quoi pour le coup? Bonjour. C'est bon, je l'ai fini lui. Ouch. Parce que tu as Hey Yuri. Parce que tu as trouvé. On dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. Trop prévisible. C'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le.
maintenant. Avec plaisir. Ok, faut appuyer sur R2 pour courir. Ok. Hiro, tu l'as fini le jeu ? On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je l'ai platine. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Lol. T'es conscient que je te vois toujours là ? 8 années de cette insolence. Ah bah tiens, comme c'est étonnant. Bah je suis le PS4 là, Hiro. Je dois attendre le bon moment. Faut que je fasse quoi? Faut que je les pète? Ça recharge. Et j'appuie sur L1 et R1 en même temps, il veut pas. Attends, je vais attendre que ça. Voilà, hop. Ça a l'air d'être un peu chiant à faire ça, non? Ah, attends, ok. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas, je suis en train de péter tes installations. Ah, je les envoie sur lui. Nickel. Comment c'est possible? Eh ben Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir. Nope. Essaye toujours. Ah, je pensais que j'aurais juste pu esquiver en fait. C'est une ouverture. Ok, je peux pas le taper comme ça. Voilà. Enfin, je peux le taper, mais je peux pas l'enchaîner tout le temps en fait. D'accord. Bon, ça va. Si c'est un boss, ça c'est pas trop compliqué. Hein. Non, je pense que c'était fait exprès. J'ai même pas commencé à jouer. Ah, ma faute. C'est mal. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Je vais en finir. J'allais pas me chercher. Allez. On va s'occuper d'eux d'abord, parce qu'apparemment... Vous êtes formés au combat. Battez-vous. Allez. J'adore moi la démonstration forte du Kaïd. Ouais, j'avoue, franchement, le Kaïd... Bah, disons qu'il représente bien le personnage qu'il est censé être depuis le début, quoi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Il y a peut-être une seule version du Kaïd que j'aime pas des masses. C'est la version qui avait été faite dans Daredevil. Je peux me défendre tout seul. D'accord. Imbécile. Allez. Aïe. J'ai mal. Où sont passés les renforts? Je sais pas, boss. Mais non, mais c'est pas lui que je voulais. Non, en soi le film Daredevil était pas mal. C'est juste que il manquait vraiment des trucs en rapport avec le vrai personnage de Daredevil en fait. Le truc qui est bien c'est que là ils ont pensé à expliquer comment il est devenu Daredevil en fait.
T'as rien à faire. Ça fait combien de temps là, petit? Pas cette fois. Avec ton crâne chaud. Par contre, je veux pas être méchant, mais le costume il est en train de se faire déchirer. Là. Non, pas les os, pas les os. Oh, ok, ça, ça va, logique. J'ai eu peur de le foirer. Bon, c'est bon cette fois là. Attends deux secondes. Petit conseil, quand tu vois des items que tu peux lancer sur le fait de péter le crâne au caïd. Alors c'est là qu'on s'embrasse. Oh la référence. La référence au premier film. La référence. Cochon. La référence. Belle référence. Ah oh, bah là c'est fini là. Là c'est fini pour lui je pense. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois qu'il y a plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Hey, bonne chance Willy, je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Ah bon? Tu verras, dans un mois tu vas me supplier de revenir. Dans un mois? IRL ou dans le jeu? Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Il faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Bon, du coup, je fais quoi maintenant? Ah, apparemment, j'ai gagné de l'XP. Augmentation de santé. Oh, trop bien. Ah, ça augmente tout seul. D'accord. Point de compétence. Allez, hop, à moi. Ok. Ouais. Je sais pas, je prends quoi? Allez, petit spoil, tu vois les lance-roquettes, tu auras plus tard un point de talent où tu pourras aller là pour les... Il est claqué à la tronche des ennemis. Les missiles? Ah, parce que là, enfin les roquettes? Je sais pas quoi prendre. Guy. Je sais pas quoi prendre. Je partirais bien sur l'esquive parfaite. Tu me conseilles quoi, héros? La défense ou la pure ou l'attaque bourrine? Pour la toile. Innovateur? Ouais, je pensais prendre ça. Je te conseille tisseur de toile. Tu auras plus de polyvalence. Le troisième, du coup. On peut voir les... Ah, c'est bien, on peut voir la... le reste. Ok. Oh, pas mal. Ah, ça m'intéresse, ça, du coup, la figure aérienne. Ça m'intéresse. Du coup, on va prendre ça. Je vais suivre Hiro, Marie. Par contre, ça, je vais voir ce que c'est. Ah, ok, c'est juste pour apprendre les coups. D'accord. Personnage. Bah, doit pas y en avoir Bezef. Le Spider-Man. Ah, je pensais qu'ils auraient rajouté du coup le... Putain, Spider-Man, il est plus petit que moi. Hein. J'aurais pensé qu'ils auraient mis le fisc du coup. Voilà, j'ai pris les 3 DLC. Oh, Silver! Trop bien. Avec les figurines aériennes, tu gagnerais des points de style. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Oh, putain, me dis pas qu'elle est grande la map. Grande la map. Mais je vais me perdre là-dedans, moi. Rassure-moi, il y a que la zone où c'est là. C'est quoi ça? Mon appart. Qu'est-ce qu'il faut l'autre bout du monde? Rassure-moi, il y a que cette zone. Enfin, il y a que ces zones-là que je vais visiter. Tu vas pas me dire que je vais avoir droit à ces zones-là? Non, apparemment non. Limite dommage. Limite dommage de pas pouvoir aller sur les autres coins. Bon, de toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Ok, bon, allez, go. On continue. Par contre, le costume, il a un petit peu déchiré. Non, tu as toutes
la map. Toute la map. Bah j'ai, y a que ça quoi. Y a que le truc qui fait des espèces de vagues. Peter, où es-tu? Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Ah oui, c'est vrai qu'il bosse au Bugle. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. J'adore l'enthousiasme qu'on dit Doc, mais ça le donne du crédit. Ah merci, c'est bien le Doc. Je vais dépêcher avant qu'il se blesse. Les quartiers à gauche et à droite se développent plus. D'accord. Ouais, donc en fait t'as vraiment le droit à tout Manhattan. Je suis pas timbré. Oui. Je suis en train de dire de la merde. Trop classe. Oh bichette, je vais m'amuser avec ce jeu. Oh, je vais m'éclater avec ce jeu. Oh, je le sens, je vais m'éclater. Par contre, s'il y a des trucs à récupérer qui sont importants, enfin, importants, enfin, qu'en gros je pourrais faire en off, je le ferai en off. Hein. Je m'embêterai pas à le faire avec vous. Je pense que je le ferai en off ou alors de temps en temps je ferai du full secondaire. Bah bonjour. Je t'interdis de te foutre de moi. Mec, tu as genre 254 secondaires. Je ferai tout avec vous. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Oh ! C'est... Oh merde. Je crois que c'était Connors. Mais en fait, c'est Octopus. Oh merde. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement. Je crois pouvoir m'en sortir. Ouais, je comprends mieux, ouais. Corps électrique. C'est pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Tenez bon. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Pourquoi ça pue l'affaire avec Octavius? Plus que dans le film. Progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez. Tu parles... Je suis désolé, hein, je coupe pour les cinématiques. Hein. Normalement, je fais jamais ça, mais là, c'est juste pour pouvoir vous répondre après. Là, c'est pour le premier épisode, donc je veux vraiment être à fond avec vous aussi pour suivre. Quand tu parles du Best Octo, c'est tout confondu? Comics, film ou juste côté jeu vidéo? Les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la face... Okay. Ne nous emballons pas si vite. Bah, disons que le celui du film, est-ce qu'on ils n'ont pas assez travaillé le côté scientifique du personnage, je trouve. Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. Par contre, il a un sacré début de calvitie, hein, le Pépère. La vache. Après, promis, pour le prochain épisode la semaine prochaine. C'était une cap. Pour le premier épisode, c'est histoire de lancer un peu. Mais après, promis, j'arrêterai plus les cinématiques. Je parlerai pas pendant les cinématiques. Promis. Catastrophe. Pourquoi le filtre aura pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais. Je veux. Oh. T'es pas en grande forme, toi. C'est juste pour ça? Bien. Voyons d'où vient le problème. Octavius Industries, il a son entreprise.
piste, cerveau motrice endommagé, cerveau moteur déconnecté, commande de tension. Ok. Le circuit a grillé. Oh non, oh non, pas ces trucs là, pitié, non. Non, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas. Pitié, j'aime pas. Pitié. Me faites pas ce coup là, j'aime pas. Mec, je t'ai dit, si tu es fan de Spider-Man, tu vas kiffer. Ah non, mais moi je suis un gros fanant. C'est. Laisse tomber. Hein. Si vous arrivez à me dégoûter d'un Spider-Man, faut y aller, hein, vraiment. Ça y est. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de timer hein, pour ces trucs-là, hein, parce que sinon je vais galérer. Hein. Je suis un gros fan de Spider-Man. On redirige les commandes du cerveau moteur. Il n'y a pas de taille. Oh, merci. Ah, il y a des trucs qui ont des sens. D'accord, ok. Ok, ça va. Faut juste utiliser un peu son cerveau, c'est tout. Ok, faut juste apprendre à utiliser son cerveau. Attends. Ah putain. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois avoir compris. Non, je pose pas celui-là. Ok. C'est ok. C'est. Laissez-moi le temps de comprendre. Ah mais. T'inquiète, quand tu seras chez moi, Marie, je te promets que je vais te faire tous les Marvel possibles et inimaginables. Tu vas peut-être pleurer, mais tant pis. Ah. Est-ce que je me suis foiré? Ah. Ah. Bon. C'est pas grave. On dira. Je veux un film sur Adam Warlock. Tu peux me rappeler qui c'est? Parce que vu que j'ai pas. Vu que j'ai pas vu les comics, enfin je les ai pas vus. J'ai dû en voir deux ou trois dans ma vie. Et on redistribue l'attention. Black Adam, mais en gentil. Tu m'en veux si je te dis que j'ai pas du tout vu Shazam? Fini. Du coup, je peux. Voyons si ça marche. Comme neuf. Mec, Adam Warlock, il solote Thanos avec les gemmes infinies. Ah! Bah écoute, si tu connais un site gratuit où je peux voir la grosse majorité des comics, ça serait pas mal. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Tu me l'enverras sur Discord si t'en as un. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Identifier une substance, j'en ai malheureusement pas encore trouvé gratuit. Ah merde. Bah moi aussi c'est ça le problème, c'est que j'en ai trouvé que des payants quoi. Votre objectif, identifier une substance inconnue grâce à son spectre d'absorption. Utilisez des fragments de la substance inconnue et faites-le correspondre. Et faites correspondre les raies d'absorption avec le spectre. Oula, je comprends rien. Non, merde. Bon, outil. Ah, ok. C'est simple, en fait. C'est... Ok. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je pensais que c'était plus... Je pensais que c'était plus chiant que ça à faire, en fait. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes.
Ce truc là? Non, ça a l'air simple en vrai. Il est quelle heure? Je fais gaffe quand même. Bon, je t'ai pas mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Bah toutes les notifs de la journée. Ce truc là tu vas galérer, attends c'est le tuto. Ouais bah oui, je m'en doute bien qu'au bout d'un moment je vais en chier, mais là pour l'instant en vrai ça va, je comprends à peu près mieux le système en fait. Je comprends mieux le bail. Tant qu'à faire, les costumes, ça se débloque tout seul avec l'histoire ou faut entre guillemets les fabriquer? Ah, un petit temps de chargement. Putain, oh par contre le jeu. Vous pouvez pas dire le contraire, graphiquement parlant, c'est une perle. À part que tu refasses ton costume, mon cochon, hein, parce qu'il est dégueulasse. Hein. En plus d'être déchiré. Avec l'histoire, il faut les fabriquer. Oh putain. J'adore. Bah tiens, vu que t'es là, Hiro, et que tu l'as fini, même si ça me spoil, tant pis. Est-ce que tu peux mélanger certains costumes entre eux? Avec des compos que tu récupères dans son mission secondaire. D'accord. Ok. Tu peux pas mélanger les costumes. Ah, oh, je suis déçu. Déception. Non, pas Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah, il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Les Sinistar Six là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat. J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse de rien. J'arrive tout de suite. Bah, c'est dommage que tu puisses pas mélanger les costumes. On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer. Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et ah, c'est l'ancien rédacteur. Toujours, il n'est plus. De c'est qui du coup le nouveau? Non, attends, ne me le dis pas. Je pense que je le saurai plus tard. Recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons, dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prêtent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose? Merde! Je voulais pas que ça s'arrête. Ah ça par contre c'est chiant, si je m'approche juste du point et que ça me bloque, ça s'arrête tout, c'est un peu con. Ah bah, je vous saurais. Avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier. Merci pour d'être passé, Marie. Vous avez un speeder smoking? De toute façon, il n'y aura pas de balle cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le tu système nous a aussi, Hiro? Dans toute la ville. Merci d'être passé. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. Ah, j'avais pas vu. Bah, bonne soirée à toi, Heroes. J'adore les défis. Merci d'être passé. Désolé, Marie, j'avais pas eu le message avant. Je croyais que vous me faisiez confiance. Jetons un coup d'œil à bon courage, Hiro. Les fréquences d'entrée sont inversées. Subtil. Oh, j'adore ça. Ah. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Je sais à quoi ça sert. Pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi.
Parfait, j'ai des unités pas loin. C'est bon, j'ai compris à quoi ça sert. Je m'en occupe. Ok, j'ai compris à quoi servent les tours. C'est l'équivalent des tours dans Assassin's Creed, c'est de la synchronisation. Vas-y. Couvre-moi. Ah ouais, vachement discret. Je doute que ces types aient oublié leur clé. Putain, faites-le tomber ! Il est en l'air ! Faites-le tomber ! J'imagine pas me prendre ça sur la tronche. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. C'est quoi ce truc ? Alors c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. L'inspecteur Spider. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu. Laissez-la tranquille. Oh non, Spider-Man. Oui, c'est moi. Ça, tu vas le regretter. Ouch, ouch. Mais putain, mais il s'est prêt pour le caïd ou quoi lui? Ouais, c'est l'équivalent du caïd quoi, ce truc là. D'accord, ok. Très classe. Dégage d'ici, où se la bute ? Lâche-moi ! Ok, simple. Ah, un petit bug graphique. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être... Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Très... Franchement, le jeu... Pour l'instant, je suis... Je suis très surpris. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Il est tellement beau le jeu. Oh, je vais aimer. Ah voilà, merci. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que les crimes. Oh, je vais l'aimer ce jeu. Oh, je vais l'aimer. Bingo.
Ah. Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'aimerais bien le savoir. Oh là 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 là. Ah, il est en live, Ghost ? Il live sur quoi ? Sur Rocket League. Ouais, bah écoute. Je vais pas faire de Rocket League, hein. Parce qu'on a joué vite fait hier, ça m'a rendu fou. C'est pas genre un de ces vieux sacs, ce genre de conneries ? Si. Mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Oh, je vais m'éclater avec ce jeu. Pour améliorer votre équipement. Oh, je vais me plaire. Oh, il va me plaire ce jeu. Attends, attends, est-ce que je peux sauvegarder le jeu ? Comme ça. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi homme, mi araignée, 100% flic. Ah. Ah, tu vas attendre 2 secondes, ma belle, hein. Je veux surtout savoir comment accéder à mon appart. Le jeu, franchement, je l'adore. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pense que c'est pas très important. J'aurais dû demander à Hero si le jeu est sauvegardé auto. Oh, je vais me plaire. Oh, je vais me plaire à me balader dans ce jeu. Oh, je vous promets, ce let's play, il va être loin d'être fini. Il va finir dans longtemps, je vous le dis. Ouvre le coffre. Allez. Eh, hey, salut. Ah, Spider-Man, tue-le. Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Hey, allons regarder, Spider-Nat. Je vais aimer ce jeu. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer ? J'y ai bien réfléchi, Yori. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider, l'infatigable... Yori ? Yori, vous êtes là ? Ah, j'ai dû être submergé par l'émotion du moment. Putain, c'est quoi cette voix ? Je m'en rappelle plus ! Ah, ça me saoule ! Elle est hyper connue, cette voix. Elle est vla connue, cette voix. Je le sais. Ah, ça me saoule. Ah bah écoute, je vais augmenter le truc. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes 3 poils sur le torse. Pardon. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si... Désolé. De quoi laquelle ? Ah, la technique ? La compétence ? Celle qui me permet d'augmenter mes points d'XP facilement ? Celle-là ? Les figurines aériennes ? Docteur Octavius est rentré chez lui.
Et du coup, faut que j'aille où? Ah, bah la voix de Peter. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait pour élever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Oh, ce jeu, il est beau, mon dieu. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux. Avis à toutes les unités, des témoins signalent un enlèvement. Incident contre Union Square, répondez. D'accord, je comprends mieux à quoi ça... Ok, ça va, ça, l'XP en plus ça monte vite. Non mais avoue, il est beau ce jeu. Oh, oh, je vais m'y plaire dans ce jeu. Oh là 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 là. Oh, je vais me plaire dedans. Oh là 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 là. Nickel. 37, ça va, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps. Du coup, oui, pardon. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Ça fait quoi ça? On essaie d'améliorer la composition des prothèses. Je devrais jeter un coup d'œil au développement du doc et vérifier son travail. Wow! Ah, la voix de Peter, elle est souvent utilisée. Précision de l'actionneur. Cette station vous permet de travailler sur les projecteurs de circuit, sur les projets de circuit électrique. D'accord. Rapporter de l'XP. Download Renew. C'est la voix de Peter. D'accord, merci. Tu peux me donner des exemples de voix qu'il fait, parce que je sais qu'il est très connu. Remporter de l'XP et d'autres récompenses en résolvant des projets. Oh. De nouveaux projets se développeront à mesure que vous progresserez dans le jeu. Oh, trop bien ça. Alors. Le doc essayait d'améliorer la granularité de l'actionneur. Ça, c'est trop dur. Oui, non, mais si tu tapes les exemples, normalement tu peux trouver. Voyons si on peut régler la force de préhension de la prothèse. Normalement, tu peux trouver en cherchant. Ça, c'est pas trop. On devrait éviter les os broyés lors des poignées de main comme ça. Tout ça, c'est quoi? C'est pour la. Ah! Non! Pourquoi je sens que je suis en train d'améliorer ces trucs et que du coup ça va me foutre dans une. Merde royale. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de. La visite du comité. Je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possibles. La visite du comité a été une catastrophe, mais elle pourrait être l'inspiration qu'il me fallait. Nous ne devons pas nous contenter de respecter leurs attentes. Nous devons les dépasser. Ça pue. Bah écoute, je vais quand même les faire parce que... Bon. Même si ça veut dire que je me fais déglinguer derrière, tant pis. Intéressant. Le doc est en train d'intégrer un système basique de cartographie spatiale. Il a aussi doublé Phineas. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Trop cool! Les bras pourront se situer dans l'espace comme ça. Ça devrait contribuer à la sensation des membres.
Il faut régler le gyro des bras sur orientation auto. Et Sora te cache. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas eu de version. Il n'y a pas eu de version VF voilà. Pour le, avec ça, le dernier. Ça devrait aider. Le doc tente de réduire la consommation énergétique globale de la prothèse. Oula. Connard de détruire. Ouais. Va être compliqué, je pense. Il va être compliqué. Bon, c'est pas grave. On va ça plus tard. Je vois s'il n'y a pas d'autres trucs à regarder. C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo! Problème résolu. Ah, ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. Peter, merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Ouais. C'est spécial. Peter! Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. N'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Ah! J'ai cru qu'il avait découvert que c'était lui, Spider-Man, mais pas du tout. Je te laisse travailler. Je pensais qu'il l'avait découvert, mais non, ça va.
La postille sur le front, trop drôle. Regarde tes nails. Il va lui avoir trouvé un nouveau moyen, un nouveau costume, je suppose. Basique. Enfin. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme ? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Une araignée blanche, hein ? Ouais. Oh. Vous pouvez maintenant utiliser vos jetons pour créer la tenue améliorée. Oh. Pardon. Pardon. Terminer les missions annexes et des activités pour gagner des jetons. J'en ai combien ? Maintenez pour fabriquer la tenue améliorée. Il y a les autres costumes ! Ah ! Nouvelle tenue, nouveau pouvoir de tenue. Appuyez pour continuer. On a un peu de mal avec ce costume, mais ouais. Créer une nouvelle tenue équipe automatiquement le nouveau pouvoir de tenue. Appuyez pour continuer. Utilisez le nouveau pouvoir, le menu pouvoir de tenue pour revenir à un des pouvoirs débloqués précédemment. D'accord. Débloqué précédemment, appuyez. Les tenues peuvent être améliorées avec des modes de tenue. Débloquer, équiper les modes de tenue. Terminer des missions et des activités annexes pour débloquer des tenues, des pouvoirs de tenue, des modes. Ok. Utiliser des jetons pour créer des modes de tenue. Ok. Les modes de tenue augmentent vos attaques et votre défense. Vous pouvez équiper 3 modes de tenue à la fois pour en cumuler les effets. Ça devrait le faire. D'accord. Pardon. Mais il y a les anciens, il y a les deux autres costumes. Bon, du coup, ça veut dire que ça sauvegarde. Oh. Ah, voilà le la fameuse image que j'avais déjà eue. Oui, fanboy, alors. Pardon, ah. Il est propre. Sur le vent. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux. Oh là 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 là. Je me ferai plaisir avec ce jeu. Oh, oh là 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 là. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes du Fisk arrivent à maintenir ses activités via ses chantiers. Ça n'a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles. Avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. De quoi tu trouves mignon ? Ah, t'arrives, t'en fous de moi. Avis à toutes les unités, cambriolage en cours signalé. Agent demandé à Tenderloin, répondez. Wesh, fanboy, alors. J'adore les Marvel et les DC. M'embrouille pas, m'embête pas, je t'ai rien fait, moi.
Là, j'ai un sac. Des chantiers de fisc. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Non mais Bichette, arrête! Arrête! Ça c'est quoi? Oh! Le speeder drone! Ça, l'étoile électrique. Les bombes. La piège de le piège de toile. Oh! Oh, je vais me faire un plaisir. Je vais me faire un plaisir immense avec ce jeu. Ça pourrait bien marcher. Oh, je vais me faire un malin plaisir. Alors, oh, je peux pas lire. Pardon. Parfait. Le doc serait fier. Raté. Ça se recharge au bout d'un moment ou... Il est où? Mais bien payé. Ok, ça va, ils m'ont pas tilté. D'accord, c'est quand j'élimine un des mecs, d'accord. Oh, ce qu'ils ont mangé. Non, tu m'as pas envie. Les messages au moment de... Ouais. Okay. Grenade. Message.
Les plus de 200 messages, je les ai passés lors du stream Minecraft au week-end dernier. Oh non, en voilà d'autres. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 paquets de maisons autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. On était à 500 et quelques, je crois. Ça, je m'en sors pas trop mal. Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales. Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration continue. Une fois celle-ci utilisée, votre pouvoir de tenue se régénère. S'ils ont dû appeler leurs copains. Oula! Normal ça? Apparemment, c'était normal. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? D'accord. C'est trop bien ce machin. Finito. Finito bandito. Condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Est-ce que je peux les refaire? Jusqu'à d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. C'est classe. C'est trop classe. J'adore ce jeu. Si je veux... Pourquoi je peux pas trouver tous les chantiers de Fisk? Il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais pas où commencer. Parce que j'aimerais bien arrêter en fait.
bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Fanboy. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Trop bien. Alors attends. Oh, c'est les costumes que je peux porter, ça? Mais non. Ah non. Oh, le Spider-Man noir. Ah, oh, le Scarlet Spider. Mais celui-là, je sais lequel c'est. Pas besoin, je sais déjà lequel c'est, celui-là. Celui-là, c'est celui du film. Moi, fanboy? Non, c'est pas vrai. Oh, non. Oh, celui du film. Faire simple. Un stream, une tenue. Voilà, c'est tout. Je te crotte. C'est pas ma faute si j'ai été bercé par les Spider-Man. Oui. Je vais mettre en mode... Attends, c'est quoi ça? Oui, je te crotte, oui, clairement. Ah, je l'ai pas encore celui-là. Ah, si, je peux le fabriquer. Je les ai pas encore débloqués, d'accord. Très bien. Non. Sauf si je suis obligé de changer de tenue. Ce sera une tenue par stream. C'est tout. Je suppose que ça, ça me fait régénère. Ah non. Okay. D'accord, ok. T'es déçu? Là, je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Là, il va m'en vouloir, Hiro, mais je veux... Oui, mais c'est moi qui décide. Vas-y, on va tous les débloquer les prochains. Voilà. C'est bon, ça... je peux sauvegarder maintenant? Je veux pas sauvegarder. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Je peux sauvegarder? Ok. Toujours pas. J'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Mais là, tout de suite, je voudrais sauvegarder en fait. Sauvegarde manuelle. Merci. Je suis un fanboy. Je suis un fanboy, mais je m'en fous. J'adore ce jeu. Il est trop bon. Ah, il est trop bon. Oh, pardon. Du coup. On va s'arrêter là parce que je me connais, je serai capable de jouer jusqu'à demain matin. Je serai capable de streamer le jeu jusqu'à demain matin. Du coup, on s'arrête là pour ce soir. Ah non mais le jeu, je suis tellement content de l'avoir pris. J'avais un peu peur au début, je me suis dit ça se trouve je vais pas du tout aimer mais...
Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Spider-Man. On se retrouve lundi pour Star Wars Jedi Fallen Order. On avance plutôt bien dans celui-là aussi. Il n'y a pas de stream demain, n'oubliez pas. Je suis pas dispo demain et ce week-end. Peut-être dimanche. Ça dépend de l'heure à laquelle je rentrerai. On verra. Bonjour, monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer. Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion. Attendez, je suis payé en fin de semaine. Je peux. Oh. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Cool. Du coup, on se retrouve lundi ou dimanche avec un peu de chance. Enfin, avec un peu de chance. Je pense que même si je rentre très tôt dimanche, il y a peu de chances que je fasse un stream. Parce que je vais essayer de me reposer un max. Du coup, on se retrouve lundi ou dimanche pour un stream. Pour le prochain stream. Et d'ici là, portez-vous bien les enfants. Des bisous à tous.